Bonsoir à tous, nous sommes heureux avec Rémi de vous accueillir dans le First, cette première partie des rendez-vous du futur qui a vocation à rencontrer des changemakers, des acteurs qui sont et font le changement avec une forte dimension sociale, éducative, culturelle ou citoyenne. Vous retrouverez ce soir les chroniques habituelles de Camille Ecolo Girl, de Laura. On retrouvera l'actu de la créativité avec Rémi et les coups de cœur ici même sur le plateau. Tout cela à suivre, à disrupter et à dérouter sur les réseaux sociaux avec les hashtags Le First et Social Good Week. Alors pour nous accompagner pour cette édition spéciale consacrée à la Social Good Week, nous avons deux acteurs, Jérémy Lachal de Bibliothèque sans frontières. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Bastien Guéry de OLP France, de Hackadon, de beaucoup d'autres projets. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Alors, le social good, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'idées, de solutions concrètes qui utilisent le numérique pour placer le bien commun et l'intérêt général au cœur du changement. Ok. D'accord, j'ai bien compris. Et la Social Good Week, c'est quoi? Eh bien, c'est une semaine d'événements partout en France sur le numérique au service du bien commun, du 3 au 9 novembre. Tout cela sous le haut patronage du président de la République, François Hollande. Et on y découvre beaucoup, beaucoup de projets. Là, notamment lors du lancement de la Social Good Week, on a par exemple découvert Sentinel. Sentinel, c'est une plateforme de recherche collaborative qui met en relation des chercheurs et des citoyens pour faciliter la recherche sur le cancer. On a découvert aussi un autre projet, Vox.org, qui propose aux internautes de comparer les programmes électoraux des candidats. On y a découvert aussi Calm de Singa, qui permet la mise en relation entre réfugiés mal logés et citoyens prêts à les héberger. Alors, je me tourne vers Rémi pour nous parler de notre premier invité, Jérémy. Oui, alors bonsoir Jérémy Lachal. Donc vous êtes le fondateur de Bibliothèque sans frontières en 2007 aux côtés de l'historien Patrick Veil et vous dirigez donc cette ONG qui en moins de 10 ans est devenue l'une des principales organisations d'appui aux bibliothèques pour l'accès à l'information, à l'éducation, à la culture partout dans le monde et dans des zones particulièrement difficiles mais aussi dans nos banlieues, dans nos villes. Alors cette année, vous êtes même devenu fellow Ashoka. Donc je rappelle qu'Ashoka est le plus grand réseau d'entrepreneurs sociaux au monde. Donc c'est une belle reconnaissance également pour votre travail et le travail collectif de Bibliothèques sans frontières. Alors à l'heure de l'Internet, des nouvelles technologies, quand on parle de bibliothèque, on a souvent une image un petit peu désuète, pas très glamour. Et vous nous prouvez le contraire avec vos actions. Et on oublie aussi souvent que ce sont quand même des lieux d'accès à l'information et à la culture qui ne sont pas forcément à la portée de tous et disponibles partout. D'ailleurs, vous avez une formule que j'aime beaucoup, que vous dites, parce que l'éducation, la culture sont tout sauf superflu, surtout quand on n'a rien. Alors, est-ce que, pour commencer, vous pouvez un petit peu nous expliquer comment est né le projet de Bibliothèque sans frontières et à quels objectifs il répond? C'est vrai, effectivement, que les bibliothèques ont parfois cette image un peu désuète. Pourtant, les bibliothèques sont des actrices du changement. Et au quotidien, elles transforment la vie des populations, et en particulier des populations les plus vulnérables. Quand vous avez aujourd'hui en France 80% de la population qui est connectée à Internet, on se dit bon, c'est plutôt pas mal. Mais quand vous regardez d'un peu plus près, les non-diplômés, on est à 50%. Et quand on regarde encore un peu plus près, quand vous avez une famille avec 3-4 enfants avec un ordinateur et qu'il faut faire son exposé le soir, ben, voilà, on va pas pouvoir tous faire son exposé en même temps. La bibliothèque, c'est un lieu de réduction des inégalités sociales. Quand on a créé Bibliothèque sans frontières, en fait, on essayait de répondre à cette question de. On vit dans un monde hyper connecté, avec ce pouvoir de l'accès à l'information, cette richesse que ça représente. Et ben, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas cet accès à l'information-là? Aujourd'hui, quand on crée une bibliothèque dans un village en Afrique, on va améliorer l'accès à l'éducation, évidemment, mais on va aussi avoir des impacts beaucoup plus inattendus, comme la réduction de la mortalité maternelle et infantile, par exemple, parce qu'on aura des mamans qui seront mieux informées sur la nutrition à apporter à leurs enfants. On va avoir une amélioration des rendements agricoles parce que des agriculteurs vont pouvoir avoir de l'information de qualité pour les cycles de leur culture ou alors avoir accès aux marchés domestiques et internationaux. Donc, une bibliothèque, ce n'est pas simplement un endroit où il y a des livres, elle a bien plus à offrir aujourd'hui. Et c'est vraiment cet outil de transformation qui nous intéresse, que ce soit ici en France, en particulier dans les quartiers populaires, mais aussi à l'autre bout du monde, en Afrique ou encore dans les situations de crise humanitaire.
Alors, quels sont vos domaines d'intervention concrètement ? À Bibliothèque sans frontières, en fait, on imagine la bibliothèque autour de trois choses fondamentales. D'abord, un espace. La bibliothèque, c'est un espace, un outil dans lequel on va pouvoir se rassembler. Donc, c'est cette idée d'accessibilité. Alors, pour ça, on va soutenir des bibliothèques, les agrandir, les en créer, mais on va aussi créer des dispositifs dont je pense qu'on parlera tout à l'heure, notamment l'IDS Box, ces médiathèques en kit qu'on peut justement amener dans les endroits où il n'y a pas de bibliothèque. Ensuite, une bibliothèque, c'est un fournisseur de contenu, les bons contenus de qualité au bon moment, et bien sûr aujourd'hui particulièrement numérique. Alors on crée des contenus, on a notamment adapté en français la Khan Academy, cette plateforme éducative qui est une des plus importantes au monde aujourd'hui, mais aussi on essaye de faire de la curation, de la sélection de contenus pour les bonnes personnes. Et enfin, la bibliothèque, c'est des hommes et des femmes, c'est bibliothécaires, nous on les appelle des entrepreneurs sociaux. Vous avez parlé d'Ashoka tout à l'heure. Évidemment, les bibliothécaires, aujourd'hui, sont bien plus que simplement des passeurs de savoir. Ce sont des médiateurs au sein de leur communauté et ce sont des agents de transformation sociale. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur la Academy ? En quoi ça consiste ? Quel est le lien justement avec le numérique et quel a été votre rôle ? C'est-à-dire un rôle en fait de traduction, d'adaptation ? En fait, quand on a commencé à travailler sur les questions du numérique et pour les bibliothèques en Afrique, on a regardé ce qui existait un petit peu en français. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui existe en français de qualité. Et on s'est tourné vers la Khan Academy, qui est une plateforme d'apprentissage personnalisé qui couvre les mathématiques et pas mal de sujets de sciences du primaire jusqu'au début de l'université. Il y a plus de 4000 leçons vidéo qui ont été adaptées, toutes réadapté en français avec un comité scientifique qui a regardé ça de très près. C'est des petits modules de vidéo de 4-5 minutes qui portent sur des compétences de très, très fine granularité. C'est-à-dire qu'on va avoir l'addition à un chiffre, l'addition à deux chiffres, etc. Et ensuite, on a des exercices qui sont extrêmement bien faits et des systèmes de tutorat qui permettent aux professeurs ou aux parents de suivre les progrès des enfants. Et en fait, c'est extrêmement puissant. On fait des évaluations aujourd'hui d'impact de programmes de tutorat avec la Khan Academy, par exemple au Cameroun. En 3 mois, les enfants qui ont suivi le programme de tutorat ont gagné 2 points sur leur moyenne scolaire. Et c'est globalement la même moyenne qu'on retrouve en France sur des élèves en difficulté. Alors, vous intervenez dans des zones de conflit, dans des camps de réfugiés, dans des zones après des catastrophes naturelles. Et on peut se poser la question s'il y a vraiment une urgence de lire, pour reprendre l'appel que vous aviez lancé en 2012. Puisque, évidemment, on se dit les premières choses dont quelqu'un, une population en difficulté a besoin, c'est de manger, de se loger et la santé. Est-ce qu'il y a vraiment une urgence de lire dans ces situations compliquées ? On s'est posé la même question que vous. Évidemment, quand on était en Haïti avant le tremblement de terre de janvier 2010, et quand le tremblement de terre est survenu, ce sont nos partenaires qui se sont pendés, les aider à créer des bibliothèques sous tente dans les camps déplacés. Et là, on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres urgences. Et en fait, en y regardant de plus près, aujourd'hui, un réfugié va passer en moyenne 17 ans dans un camp. Ce chiffre est absolument stupéfiant. Effroyable. 17 ans, c'est le temps moyen passé par un réfugié dans un camp. 17 ans pendant lesquels, la plupart du temps, il n'aura pas le droit de sortir du camp, de travailler. Alors, ce n'est pas vrai pour les déplacés. C'est-à-dire que ce n'est pas ça en Haïti. Un déplacé est dans son propre pays, il peut sortir. Mais un réfugié, aujourd'hui, on travaille en Jordanie dans les camps. Les gens sont dans des sortes de prisons à ciel ouvert, en réalité. Et une fois les besoins de base couverts, il est extrêmement important pour ces populations de se projeter dans l'avenir, de s'éduquer, de s'informer, de se reconnecter avec leurs familles qui sont restées au pays. Pour ça, on a besoin des bibliothèques. On a besoin de lieux sécurisants, de normalité, où justement on peut essayer de se reconstruire, essayer de retrouver cette normalité. Alors, on a vu, lors du lancement de la Social Good Week au Centre Pompidou, dans le hall, on a vu le projet IDs Box, donc c'est des boîtes. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, en quoi ça consiste et comment c'est mis à la disposition, justement, peut-être de ces populations ? Eh bien, suite à notre intervention en Haïti, on a créé cet appel, l'urgence de lire. On l'a porté aux Nations Unies et là, on nous a dit, vous êtes bien gentils avec vos bibliothèques sous tente, mais il va falloir trouver quelque chose de plus standardisé pour entrer dans les canaux de l'aide humanitaire. Et on a travaillé sur un cahier des charges, quelque chose qui pouvait intégrer un accès à Internet, des ordinateurs, des tablettes, des ressources pédagogiques, des livres, un théâtre, un cinéma. Et on s'est dit, mais c'est impossible à faire. Comment on va faire rentrer ça sur 2 palettes ? Parce que c'était ça le défi.
On a contacté Philippe Stark, le designer, qui a accepté de créer pro bono le dispositif et qui a fait un travail absolument fascinant parce qu'il a réussi à faire rentrer en fait une médiathèque qui correspond grosso modo à un service pour une petite ville de 5000 habitants dans deux palettes. Et quand on ouvre ces deux palettes, on crée un espace de 100 mètres carrés connecté à Internet avec son propre générateur pour fournir l'électricité et dans lequel on va retrouver l'accès à de l'information, de la culture, du cinéma. Mais alors, comment c'est mis à disposition ? Par qui c'est financé ? Alors, on est financé par du mécénat, par des bailleurs de fonds internationaux. Les Nations Unies, aujourd'hui, en veulent des centaines, des Ideas Box, parce qu'on a une preuve d'impact très fort dans les camps dans lesquels on travaille. On a commencé au Burundi, dans les camps de réfugiés congolais. Donc, en fait, on travaille directement dans les camps, avec les partenaires sur le terrain. On leur transfère progressivement les box, et ensuite, ils sont capables de les gérer par eux-mêmes. Et les impacts qu'on a, c'est d'abord la protection des enfants, qui sont moins enrôlés dans les violences, les gangs qui peuvent exister dans les camps. C'est de la renforcement de l'éducation, donc des progrès académiques forts. Et c'est également on dit community vibrance dans nos langages humanitaires, mais c'est cette résilience, cette forme de justement d'autonomisation de la communauté, la capacité de rebondir et de créer des projets. On a des projets incroyables qui se passent. Je vous invite à voir, il y a quelques semaines, le magazine américain The Verge a publié un article assez incroyable sur un film qui a été tourné dans les Ideas Box, un film de zombies qui a été tourné par des réfugiés congolais. Et en fait, plus qu'un film de zombies, c'est un film sur leur histoire, sur les violences qu'ils ont subies au Congo, et c'est une façon d'exorciser aussi leur traumatisme. Et donc on a aussi cet impact très fort sur la lutte contre le trauma et la résilience des populations. Il faut aussi préciser que les Ideas Box sont pas seulement dans les zones reculées, puisque vous l'avez aussi expérimenté à Sarcelles, je crois, ou ici, dans nos villes. À Sarcelles, à Calais, même en Australie pour les populations aborigènes, donc des populations très éloignées des infrastructures culturelles, dans le Bronx cet été. En fait, on s'aperçoit à Bibliothèque sans frontières, notre vision, notre projet, c'est de créer la bibliothèque du 21e siècle. Et c'est bien cette idée de la bibliothèque qui peut aller partout au contact des citoyens. Merci beaucoup Jérémy pour cette initiative, enfin ou ces initiatives, parce que vous avez finalement beaucoup de projets. Et on va retrouver en fait la chronique de Camille Ecologirl, qui va nous parler de quelque chose qui est un mouvement, une mobilisation qui est partie des réseaux sociaux. Donc tout de suite, la chronique de Camille Ecologirl. Février 2012, il fait un froid polaire, il est tard. Laurent Hézard rentre chez lui, il ne supporte plus de voir toutes ces silhouettes frigorifiées sur les trottoirs. Alors il prépare du café, il réunit quelques vêtements et couvertures et repart à la rencontre des sans-abri de son quartier. Il y passera toute la nuit. Le lendemain, il crée un groupe sur Facebook et envoie des messages à son premier cercle d'amis. Le réseau social joue son effet, une nouvelle maraude est organisée le samedi suivant. 3 ans plus tard, l'association Action Froid compte 20 antennes à travers toute la France et 3000 bénévoles. Facebook est toujours utilisé pour organiser des maraudes, recruter de nouveaux bénévoles, organiser des collectes. L'association Action Froid est l'association idéale pour tous ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire pour aider les SDF. Parce que oui, on peut tous faire quelque chose. La preuve. Merci à la blogueuse Camille Ecologirl pour cette initiative différente mais intéressante. On va peut-être rester en fait sur cette question en fait du numérique et la façon dont on peut s'emparer du digital, du numérique. Rémi, est-ce que tu peux nous présenter notre deuxième invité de ce soir ? Alors notre deuxième invité c'est Bastien Guéry et pour commencer à vous présenter, je vais prendre une de vos formules. Vous dites je suis passé du philosophique au technique puis de l'associatif à l'économique. Alors on va essayer de reprendre depuis le début même si on va oublier des choses puisque vous avez déjà un parcours bien, bien fourni. Vous avez donc fait des études en philosophie en sciences cognitives et vous êtes tombé dans le mouvement du libre un peu avant les années 2000 quand vous avez rejoint l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Et c'est là que vous avez commencé à apprendre à programmer et que vous êtes impliqué de plus en plus dans des sujets proches donc du libre mais aussi de l'éducation, de la culture et du bien commun. À signaler, en 2010, vous avez été le premier salarié de Wikimedia France et en 2013, vous avez lancé jecode.org, donc qui rassemble des initiatives qui encouragent l'apprentissage de la programmation pour les enfants. Vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Apprendre demain, éducation et sciences cognitives à l'heure du numérique ».
Mais alors ce soir, on va particulièrement parler avec vous de deux initiatives que vous avez menées. Donc OLCP, donc One Laptop Per Children, dont vous avez cofondé la broche française, et Acadon, qui répond à la question du financement des projets libres à travers le don. Donc on va commencer par OLPC, donc qui est un projet qui à la base est développé dans les labos du MIT, au Media Lab. Et donc comment est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert ce projet et nous le présenter ? Alors, OLPC est né au Media Lab en fait en deux fois. Il est né d'abord une première fois dans les années 80-90, quand Seymour Papert invente la tortue et le logo qu'on connaît tous pour avoir été traumatisé avec des MO5 pendant le plan informatique pour tous. C'est la première invention en fait de cette idée simple que l'ordinateur peut servir de médiation pour apprendre. Et cette idée continue de se développer et Nicolas Negroponte, en 2005, se dit... Le principe du cahier que chaque enfant a avec lui, il faut reproduire ce principe avec l'ordinateur. On a les moyens techniques maintenant d'avoir des tout petits ordinateurs résistants et c'est ce qu'on va faire. À l'époque, en 2005, on ne se souvient pas très bien, mais on n'a pas d'iPhone, on n'a pas de netbook et il n'y a pas de marché réellement pour des petits ordinateurs. Donc Negroponte réunit des designers et essaye de construire une machine résistante et une équipe de développeurs qui vont faire des logiciels libres orientés éducation autour de cette idée centrale de Seymour Papert d'apprendre en faisant. Voilà, donc ça c'est OLPC. Ensuite, les machines sont achetées par les gouvernements. Il y en a aujourd'hui 2,5 millions dans le monde, avec deux grands déploiements, notamment en Uruguay et au Rwanda. Et là, le projet OLPC s'est développé aussi avec des associations, des grassroots un peu partout dans le monde. OLPC France et la grassroots née en 2008. Et c'est amusant d'ailleurs, parce que j'étais aussi en Haïti pour aider au déploiement, donc juste avant le tremblement de terre. Donc ce qu'a dit Jérémy résonne beaucoup, parce qu'on avait les mêmes questions sur l'urgence. Et moi, j'ai une réponse un peu différente. C'est vrai qu'il y a toujours l'urgence à assurer, l'urgence alimentaire, la sécurité et autres. Mais la question pour OLPC, en fait, était d'un environnement concurrentiel. Il y avait déjà d'autres gens qui voulaient investir ces marchés-là, entre guillemets, avec des ordinateurs. Avec l'informatique pédagogique, avait déjà le vent en poupe un peu en termes de marché. Et donc, pour moi, c'était un enjeu militant que d'y aller pour défendre la présence du logiciel libre qui garantissait l'appropriation par les communautés des contenus. Et on a parlé aussi de la Khan Academy. Si les gens peuvent aujourd'hui traduire la Khan Academy, c'est parce qu'il y a une licence Creative Commons qui permet cette traduction et cette appropriation. Vous intéressez beaucoup en fait à cette question en fait de l'éducation. Alors avec OLPC, on voit très bien en fait on peut le formaliser par un objet, par un PC. Dans d'autres projets auxquels vous avez participé, que vous avez initié, il y a notamment le jeu code aussi où là l'idée, si j'ai bien compris, c'est de faire une cartographie d'acteurs qui travaillent sur cette question en fait de pouvoir former des personnes ou des enfants au code. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est très simplement ça. Et en fait, il faut se souvenir, en 2013, code.org commence à faire parler de lui. C'est une initiative qui est née avec Facebook et puis les grands de la Silicon Valley pour former plus de développeurs. En France, il y a un petit village gaulois, comme d'habitude, une petite liste de discussions d'anciens combattants de militer pour l'enseignement de l'informatique. Donc on n'est pas dans l'appropriation du numérique, on est dans un sujet plus précis qui est apprendre les bases théoriques de l'informatique. C'est même des gens, Jean-Pierre Archambault, Jacques Baudet, qui sont vraiment orientés informatique, Gilles Dovec, Gérard Berry, tous ces gens qui essayent de mettre plus d'informatique théorique à l'école. Et il y a un deuxième groupe qui est les gens qui se disent ben, l'informatique théorique c'est bien, mais moi je viens plutôt du développement, des programmeurs, de la culture du code, donc de vraiment faire, et j'ai très peu d'informatique théorique derrière moi. Alors, culture du code, moi j'imagine... Voilà, avec mon regard, en fait, des personnes dans l'ombre en train de programmer. Mmh. Mais je crois que l'idée aussi, c'est de mettre en avant ces projets, notamment avec un projet qui s'appelle Acadon. Et non, donc c'est pas un hackathon, c'est un Acadon. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Le hackathon, donc quand vous avez résumé mon parcours, déjà j'ai constaté que ma vie était un sacré chaos, mais le fil conducteur c'est quand même juste le logiciel libre, et surtout sortir le logiciel libre du librisme, d'accord ? Parce que quand vous avez dit que je suis tombé dans le libre, dans le développement, c'est vraiment ça, c'est que en tant que philosophe, une fois j'ai écrit un article, je l'ai soumis sur Linux.fr et je me suis fait tomber dessus littéralement par des libristes fermés, obtus, qui disaient mais de quoi ils se mêlent ? Et en fait maintenant eux sont obligés de se mêler de tout un tas de problématiques sociales qui les dépassent un peu parfois, et c'est très bien. Donc je suis une sorte de libriste centrifuge. Le lien avec les hackathons, c'est qu'au fur et à mesure de mon militantisme, on est attiré, il y a une sorte de tropisme quasiment psychologique par rapport à la technique. Dès qu'on a une machine, on tombe dans la machine. Dès qu'on met des dispositifs, dès qu'on design des dispositifs d'apprentissage, la machine, au lieu d'être un organe transparent qui fonctionne bien, vos yeux marchent bien parce que vous ne les sentez pas. En fait, on est attiré par la machine, on est un peu happé, et si on veut servir d'une machine pour apprendre, on va finalement apprendre à servir de la machine, ce qui n'est pas l'objectif initial. Donc, pour lutter, on commence par agir au niveau de la technique, et puis quand on regarde à plus grande échelle, on se dit juste, non, c'est absurde qu'il y ait autant de bénévoles et de volontaires qui contribuent au logiciel libre sans rétribution financière. Vous vous souvenez de la faille Heartbleed qui avait mis à plat le web. Cette faille-là, on a découvert que c'était quelques développeurs qui étaient responsables du logiciel, et on a construit une fondation, tout s'est réarrangé. Mais il faut soutenir les projets libres et éviter de rester dans le bénévolat et le martyr. Merci beaucoup, Bastien. On retient un mot-clé, agir. Et justement, on va retrouver une nouvelle chronique de Laura qui va nous parler de quelque chose d'assez révolutionnaire. C'est un livre papier. Voilà, c'est la chronique de Laura. Bonsoir à tous. Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi. Ce soir, à l'occasion de la Social Good Week, j'ai voulu vous présenter cet ouvrage « Changer le monde en 2 heures » de Pierre Chevel. Alors, pourquoi j'ai voulu vous le présenter ce soir ? Eh bien, il s'agit d'un véritable guide, d'un véritable manuel de ressources dans lequel vous allez retrouver une dizaine de projets qui vous montrent comment s'engager à plus ou moins long terme selon vos disponibilités ou vos centres d'intérêt. Alors, vous allez me dire « Oui, mais j'ai pas le temps » ou « Comment moi, petit citoyen du monde, je vais pouvoir contribuer à changer la société dans laquelle nous vivons ?» Eh bien, détrompez-vous. Toute l'ambition de l'auteur, c'est véritablement de nous montrer qu'il existe des engagements, des micro-engagements, ou encore du bénévolat sur du plus long terme, dans des associations diverses, et que vous ayez un agenda très pris, ou bien de longues plages horaires disponibles, vous pouvez effectuer toutes ces actions qui peuvent contribuer à rendre notre société un petit peu plus altruiste, un petit peu plus solidaire. Alors, j'ai décidé de vous le présenter ce soir à l'occasion de la Social Good Week, dans le sens où tous ces projets présentés dans ce livre ont été propulsés grâce aux outils du numérique, avec Microdon par exemple, ou Ticket for Change, ou encore Wikipédia, qui est une solution d'open source, de culture libre, accessible à tous et collaboratif aussi, ou encore DiscoSoup, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui se réunit grâce à Facebook notamment, ou encore MakeSense, qui est présenté également dans ce livre. Alors pour une quinzaine d'euros que vous amortirez très rapidement, procurez-vous vite cet ouvrage, de sorte à vous motiver, à vous faire envie aussi de sortir de chez vous et puis de rendre ce monde un petit peu plus solidaire. Je vous remercie et à très bientôt. Merci Laura pour cette action créative positive. Maintenant, il est l'heure de passer à la chronique de Rémi, qui a beaucoup cherché. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes recherches ? Justement, Charles-Antoine, j'imagine que pour faire tes recherches, toi, tu utilises Google, comme à peu près 93% des internautes en France et 88% des internautes dans le monde. Et pourtant, tu sais bien qu'il existe de nombreux autres moteurs de recherche alternatifs à Google, comme par exemple le français Quant, qui a quand même généré 1,6 milliards de requêtes l'an dernier et qui vient de faire une
qui vient de faire une belle levée de fonds, voilà, cette semaine, je crois, et qui est un moteur un petit peu plus éthique, puisque évidemment, il nous garantit de ne pas nous tracer quand on fait nos recherches. Il y a aussi un moteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Million Short, qui propose lui d'ignorer les premiers sites qui viennent pour un peu aller explorer les fonds du classement et voir un nouveau web qu'on ne voit jamais. Mais ce soir, comme on parle de créativité, évidemment, je voulais te parler d'un moteur de recherche qui s'appelle Osarian, ou Osarian en français, qui, lui, te propose de stimuler et de booster ta créativité par des images métaphoriques et par des phrases. Alors, justement, il va interroger l'internaute sur sa propre requête. Alors, par exemple, parce que pour avoir un exemple concret, quand tu vas taper le mot « commencer », « beginning » en anglais, puisque c'est plutôt un moteur de recherche anglais, on va voir l'image d'un homme qui est au bord du précipice et qui va se jeter dans le vide avec cette phrase « pour commencer, il faut bien se lancer, que ce soit pour tomber ou pour voler ». Et après, il y a pas mal de recherches, de réseaux qui te permettent de vagabonder de concept en concept. Pour se lancer, il faut se jeter d'une falaise. Eh ben, en tout cas, elle te pose la question, peut-être, oui. C'est en tout un cas, bon il faut, début. Il faut se lancer pour voler ou pour chuter. Oui, il y a d'autres moteurs qui stimulent notre créativité, comme Synapse, par exemple, qui fonctionne aussi, lui, sur le fait de pouvoir surfer de concept en concept, un peu sur le même modèle. Et je renvoie là-dessus à l'excellent article qui est publié sur internetactu.net qui s'appelle « La créativité à l'heure des machines ». Mais comme on est dans la Social Good Week, évidemment, je voulais te parler aussi d'un moteur de recherche sociale et solidaire que tu connais, Lilo, que pas mal de gens, j'espère, connaissent ici. Donc avec Lilo, on peut financer gratuitement et sans effort des projets sociaux et environnementaux juste en faisant nos recherches. Alors, comment ça marche? C'est très, très simple. À chaque fois que vous faites une recherche, en fait, vous cumulez des gouttes d'eau et ensuite, vous pouvez choisir de donner ces gouttes d'eau à des projets à caractère sociaux ou environnementaux et qui, ensuite, les gouttes d'eau sont converties en argent. Alors c'est très facile le système puisque c'est en fait Lilo qui reverse 50% de ses recettes publicitaires générées par nos recherches à ces associations. Parce que tu sais que chaque internaute en fait par an génère 30 euros, enfin donne 30 euros au moteur de recherche. Donc c'est pas mal d'essayer de choisir à qui on a envie de donner ces 30 euros. Voilà, et alors ça peut paraître une petite goutte d'eau, mais c'est le nom, Lilo, hein, pour rappeler la goutte d'eau, mais en moins d'un an, ils ont plus de 34 000 membres, 4 millions de recherches par mois et 28 000 euros collectés. Donc en fait, chacun, c'est des petits débuts, mais si chacun apporte sa petite goutte d'eau, bah, à la fin, on va créer un grand océan. Donc ça, c'est pas mal. Essayez peut-être de... Tu vois ce qu'il te reste à faire, peut-être de changer de moteur de recherche. Merci. Alors je vais me jeter maintenant dans la chronique suivante, enfin, le dernier temps fort de cette première partie de la soirée des rendez-vous du futur avec les coups de cœur. Donc on va faire un petit tour de table si vous voulez bien, messieurs. Vous avez 20 ou 30 secondes pour partager avec nous, avec les internautes, un coup de cœur actuel. Ça peut être un album, une exposition, un ouvrage, un livre, on a vu, hein, il en existe encore quelques-uns. Qui veut commencer? Bastien, vous avez déjà le micro en main. J'en ai plusieurs, mais il faut en dire qu'un, c'est ça? Un seul. Alors, mon coup de cœur, ce serait aller voir le spectacle qui s'appelle Maestro au théâtre de Nel ce dimanche à 17h. C'est un spectacle d'improvisation et c'est une troupe assez géniale qui fait vivre l'improvisation différemment dans Paris depuis pas mal de temps. Voilà. Merci, Bastien. Jérémy, un coup de cœur? Bah alors moi ça va être beaucoup plus geek pour un bibliothécaire, mais j'aime bien les jeux vidéo en bibliothèque, et c'est FIFA 2016, parce que FIFA 2016, cette année, pour la première année, a mis des équipes féminines, et je trouve que c'est assez remarquable d'une évolution du jeu vidéo, de nos sociétés, du football féminin par ailleurs, et je pense que il n'y a que quelques équipes. Hein. Y en a que, c'est un premier signe. Mais voilà, c'est un premier pas et peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Merci Jérémy. Rémi, en as-tu un? Oui, moi, un vrai coup de cœur parce que j'avais prévu quelque chose. Et en fait, hier, je suis allé au concert de Benjamin Clementine qui est passé à l'Olympia. Et donc, c'est un artiste anglais qui commence à être connu. Il a gagné la victoire de la musique cette année. Mais moi, je ne connaissais pas, juste de nom. Et je suis allé le voir en live et c'est juste formidable, c'est incroyable. Il y a sa voix ressemble un peu à celle de Nina Simone parfois. Il y a des attitudes un peu à la Jacques Brel et les textes sont super. Donc voilà, ça oscille entre le blues, le jazz, la soul. C'est magnifique, il faut aller le voir et écouter son premier album qui est sorti.
Merci Rémi. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vais clore avec mon coup de cœur. C'est Bongwana Star, un groupe qui vient d'un précédent groupe Staff Benda Bilili, qui vient de Kinshasa. D'ailleurs, c'est le titre de l'album et qui est vraiment furieux, qui est vraiment écouté. Et là, d'ailleurs, on entend un extrait derrière ma voix. Et ce que je voulais faire remarquer, c'était que à l'origine, c'était un groupe qui comportait des personnes à mobilité réduite, comme on dit, en fait, en fauteuil. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la promotion, en fait, de leur album, aujourd'hui, de leur groupe, on ne parle plus de ça, on parle juste de talent. Et donc, ça me tenait à cœur, voilà, de le partager avec vous tous. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Bastien, et à toute l'équipe et aux producteurs de ce programme. Je laisse la parole maintenant à Éloi pour la deuxième partie de cette soirée des rendez-vous du futur. Merci, Charles-Antoine. Merci, Rémy. Merci à vos invités. Grâce à vous, on a dressé le portrait de manière très, 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 très speed, mais utile, du Social Good. Allez sur le site socialgoodweek.com, bien sûr, et vous allez en savoir bien plus sur le Social Good. Et puis, vous allez devenir des adeptes, évidemment. Dans deux minutes, on se retrouve. C'est une toute petite pause technique. Cette petite pause technique ne doit pas vous faire oublier de prendre votre smartphone avec vous, bien sûr, pour continuer de suivre, sait-on jamais, l'arrivée de nos invités, Benoît Thiolin, président du Conseil national du numérique, et Ismaël Lemoël, président d'Eloasso et pilote de cette Social Good Week. À tout de suite.